Ouf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui va nous permettre de faire du sport. Enfin, peut-être pas le sport que vous pensez. Le sport dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui que l'on cherche tous dans sa vie, c'est-à-dire être heureux. J'ai décidé de vous présenter un petit ouvrage qui s'appelle 50 exercices de pleine conscience pour être heureux. Un bouquin qui se lit à la plage, alors ne me sortez pas l'excuse que vous n'aurez pas le temps de le lire. Ne me dites pas non plus « oui, mais mamie, encore une fois, ça ne servira à rien ». C'est complètement faux. Ce bouquin est superbe. Pourquoi ? Parce qu'il donne des exercices assez simples qui vous permettent rapidement de pouvoir faire des actions dans votre quotidien qui vous donnent envie d'être heureux. Alors, ça va d'écouter de la musique à se lever du bon pied ou encore répandre du bien autour de vous. Dedans, 50 exercices simples que vous allez pouvoir mettre en place dans les différents moments de votre vie. Pourquoi je vous conseille ce bouquin ? Pour une chose toute simple, parce qu'il fait du bien. Parce qu'en soi, quand on y pense, souvent on cherche plein de choses dans sa vie au niveau du plaisir, du bonheur, alors que les choses sont dans les petits moments de la vie. Et ce bouquin les résume bien. Les trois raisons pour lesquelles vous devriez le lire. Premièrement, il n'y a que environ, alors attendez, je regarde exactement pour pas vous mentir, 156 pages. Toujours bien illustré. Ce qui veut dire qu'il se lit rapidement. Le deuxième, c'est que ça fait du bien de chercher à être heureux. Le troisième, c'est que tout simplement, cette fois-ci, je voulais vous donner un livre qui vous fasse du bien et qui vous apporte rapidement des solutions. Alors, aujourd'hui, dans la Manutech, ce que je vous conseille, c'est ce bouquin. Prenez soin de vous, lisez ça pendant l'été et pour ceux qui vont partir en vacances, bonnes vacances. À très bientôt dans la Manutech pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ah. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de liker la page.